Assalamu alaikum. Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers fans de la chaîne du Communic TV sur YouTube. Avec vous, monsieur Cézanne, je vous propose des activités de langue française pour bien apprendre la langue française dans 5 minutes. Seulement 5 minutes. Idem, ce soir, c'est la com' Anchita, khassa bikum, ayo telemid, aze, kedek mohibbin, kalat du Communic TV à la YouTube, bel italum, l'aura francia. تقريبا 5 دقائق يكفي 5 دقائق اذا نقترح لكم النشاط الموالي دون لي فراز سوفونت سولين لي كوب نومينو افيك ان كومبليمون دو نو alors cette activité de grammaire de langue française il s'agit de souligner les groupes nominaux avec un complément de nom on sait déjà que les constitutions du groupe nominal est facultatif surtout il y a trois adjectifs qualificatifs épithètes complément de nom et propositions relatives aux propositions subordonnées relatives, vous savez, que commence par qui ou que. Alors, dans cet exercice, il suffit de souligner les groupes nominaux avec un complément de nom. Allons-y. Voilà, c'est fait. Alors, on va lire tout d'abord l'exemple. Je déguste une glace à la vanille. Maman prépare une tarte aux pommes. Au marché, j'achète un kilo de fruits. Le pilote de l'avion atterrit sans souplesse. Les feuilles du noyau jonchent le sol. Les pentes de la montagne sont difficiles à franchir. Je rappelle encore les exemples. Je déguste une glace à la vanille. Maman prépare une tarte aux pommes. Au marché, j'achète un kilo de fruits. Le pilote de l'avion atterrit en souplesse. Les feuilles du noyau jonchent le sol. Les pentes de la montagne sont difficiles à franchir. Alors, les groupes nominaux ici, avec un complément de nom, c'est une glace à la vanille, à la vanille. Voilà ce qu'on appelle ici un complément du nom, j'encadre. Voilà, à la vanille. Alors, voici le complément du nom, la vanille, pomme, fruit, l'avion. Alors, je viens d'encadrer le complément du nom, la montagne. Alors, il y a une petite préposition qui joue le rôle entre le nom et son complément, c'est A. Ici, c'est A plus les. D'accord, c'est une préposition contractée. Alors, A ici, plus les. On peut dire O, d'accord. On souligne ici O. O, c'est au féminin ou au masculin, les deux. Parce que les... C'est un article défini pour les noms masculins ou féminins en même temps. Alors on dit maman prépare une tarte aux pommes. Ça veut dire à lait. Alors au marché, j'achète un kilo de fruits. Il y a deux. Un kilo de. D'accord, c'est une préposition ici. Deux. De l'avion. Du noyer, ça veut dire du plus le. Du noyer, ça veut dire deux plus le. C'est aussi un. Pardon, c'est aussi. Voilà. Alors, c'est aussi un article en contracté. Alors, 2 plus le. 2 plus le est égal à du. Et de la montagne à la fin. Voilà. C'est ça. Rappel grammatical, lorsqu'on parle des compléments, des constituants du groupe nominal, il y a deux, soit obligatoires. Comme déterminant plus nom, soit facultatif, ça veut dire on ajoute soit un adjectif qualificatif qui qualifie le nom, soit un complément de nom qui précise et informe sur le nom, ou on donne encore des informations sous forme d'une proposition subordonnée relative, soit par qui ou que ou non. Ce sont les pronoms relatifs simples qu'on va faire plus tard, bien sûr, durant cette ces activités. Voilà, 5 minutes sont coulées. Voilà, merci. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Apprentissage de la langue française en 5 minutes.